ou l'autre, hein, la libération des prisonniers, c'est des sollicitudes que les acteurs formulent. Quand il faut libérer des prisonniers, nous sommes dans un état de droit et la justice jouit de son indépendance. Les acteurs ne peuvent que solliciter. Et cela, on l'a dit, en accord avec le cadre du dialogue. C'est-à-dire qu'on tienne compte de l'apaisement dans lequel se tient ce dialogue-là. Et les deux camps ensemble, parce que tous les deux ont des prisonniers, ont exprimé le vœu que des mesures, en tout cas, soient diligemment examinées par qui de droit, donc les institutions judiciaires, afin de procéder à l'élargissement des prisonniers. La Haute Cour de justice également, je ne vous fais pas la formulation mot à mot, mais je vous donne les idées. La Haute Cour de justice aussi, on a exprimé le vœu parce qu'il s'agit là d'une des institutions républicaines. C'est peut-être l'avant-dernière, avant qu'on arrive à la dernière, qui est la mise en place du Haut Conseil des collectivités. Là aussi, c'est sous forme de sollicitude. Hein, les deux parties recommandent que l'on aille rapidement à la mise en place de la Haute Cour de justice. Qu'en est-il de l'indemnisation des victimes et de la recherche?